Bonjour chers amis téléspectateurs de IF et Chanel, très très heureuse de vous retrouver encore une fois dans votre émission Fashion Police Africa. Je suis Dodia Ndiaye, la dof de la mode. Vous l'avez sans doute remarqué, nous avons changé de cadre. Et oui, nous sommes à Éclairage Boutique à Dakar, bien sûr, sur la VDN Cité CPI. Alors chers amis, toujours dans le monde de la mode. Et comme à chaque fois, je suis en compagnie de mon cher, charmant et beau chroniqueur. Bonjour Brian. Bonjour Doja, comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, ça va super bien. On dit quoi? On est assorti là. Oh, ouais, c'est clair. En tout cas, chic. Mais on dirait que tu as déchiré ça tout de suite là. Non, même pas. J'ai acheté comme ça. Il faut qu'il se mêle de tout lui. Hein. Ouais, je t'assure. Bonjour Sébastien. Bonjour Doja. Alors ça va, ça fait la forme. Il est revenu. Et oui, et oui, chers amis téléspectateurs, nous allons refaire un autre tour. Le 8 avril 2019, s'est tenu l'avant-première du film Little au Regency Village Théâtre à Westwood, en Californie. Et nous allons attaquer directement notre premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Kelly McCarry en ensemble rouge, pantalon oversize, crop top et veste tout en rouge. J'adore la couleur, mais je vois rien d'exceptionnel vraiment par rapport à son look. C'est que du déjà vu. Ouais, c'est pas faux. Elle a joué la carte du temps sur temps. Mm-hmm. Et elle a opté pour un look assez simple, oui. Simpliste et tout. Mais bon, ce que j'ai pas aimé, c'est le fait qu'elle a retroussé ses manches. Ok. Ça le fait pas. Mm-hmm. Et que dire? Que dire de plus? La mise en beauté, nickel. Voilà. Et ses chaussures, ça c'est... Ah voilà, c'est un détail que j'ai oublié. Oui. Franchement, ça n'a rien à voir quoi. Oui, oui, surtout la couleur. Normalement, elle aurait dû mettre du noir ou bien encore du blanc, mais elle a mis du gris. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis cette couleur. Ouais. Oui, non, là on parle pas de toi. On parle pas de toi. Tu te sens visée toute seule. Et toi alors? Bah, déjà, il faut préciser qu'elle a une belle tête. Oui. Dommage qu'elle ait opté pour un look, je vais compléter ton terme, déjà vu. Oui. Tu vois, le tailleur et la brassière. Est-ce qu'il m'a énervé plus sur le look? C'est les escarpins, se mettre composés. Rien que ça, en composé. Se mettre composé et déjà le coloris. Tu vois, du gris. Non. Avec le ton de la tenue, non, ça ne s'accordait même pas. Mmh. Et tu lui donnerais une note de combien? Ah, pour le coup, il dit 5. Je ne vais pas être sur les 5. Ok, et toi? Ouais, moi de même, je vais lui donner un 5. Moi, je lui donne un 4. Et nous passons directement au prochain look du jour. Deuxième look du jour, Janelle Monáe, la toute nouvelle copine bien-aimée, adorée de Sylvester. Apparemment, il adore son look, il l'a dit tout en douce. On dirait vraiment une lycéenne ou collégienne, pompon girls. Vraiment, j'ai rien compris à son look du tout. Ouais. En plus, les bas là, ses chaussettes. Ouais, c'est pas faux. En fait, moi, je la comprends, c'est son délire à elle. Elle aime bien changer de personnage sur le tapis rouge de temps en temps, porter des tenues à thème. Se déguiser, jouer avec son personnage et qu'on sort, et ça lui va à merveille. Ah ouais? Ouais, je pense, hein, franchement. Et je sais pas, mais j'ai eu un fait pour elle, et tout avec sa tenue, son déguisement et tout. Elle est toute fraîche, stylée, classe, et la mise en beauté est réussie. Que dire de plus? J'ai quand même l'impression qu'elle s'est perdue là, elle n'est pas au bon endroit. Non, en fait, c'est son délire à elle. Elle aime bien changer de personnage sur le tapis rouge. Donc voilà quoi. Elle se fait plaisir. Ton ami? Bon, c'est ce que tu avais dit, c'est pas que je l'adore, ni je l'aime, mais j'aime bien le personnage, tu vois. Mm-hmm. Okay. Elle a une identité vestimentaire à elle, t'as vu. Après son look, elle avait déjà arboré, si je ne me trompe pas, sur un red carpet déjà. Je trouve que si Lady Gaga a de l'extravagance, elle est fantasque. Okay. Et je me demande pourquoi pas on l'inviterait à animer le gala du maître, franchement. Okay. Et elle rentrerait très bien dans ce rôle. Ouais, oh, c'est pas faux. Oh, oui, surtout, franchement, puisqu'elle aime bien jouer avec son rôle et tout. Ouais. Je crois bien. Mais bon, c'est trop tard. Ils ont déjà choisi. Oui, non, non, je dis la 70e parce que cette année, c'est la 71e. Oh, ouais, c'est pas faux. L'année prochaine, c'est la 72e. Donc, oui, après son look, comme j'aime bien le dire, elle fait du Janelle Monáe. Ok, et je te rebranche là. Tu lui donnerais une note de combien? Je t'avais dit que je me vengerais. Pour ce coup-ci, vu qu'elle avait déjà porté sur un red carpet déjà. Pas d'avancement, je répète toujours,
Un 5, juste la moyenne. Ah là, moi aussi je lui donne un 5. J'aime pas du tout ce look là, surtout sur un tapis rouge, une collégienne, une lycéenne, tout ce que tu veux. Vraiment, pour moi ça ne fait pas. Donc la moyenne. Et après, je trouve là tes erreurs. Je voulais dire une avancée, pas l'avancement. Autant pour moi. Ok. C'est bon là ? Oui, c'est bon. Okay. Moi je lui donnerai un 6. Un 6 ? Oui, surtout pour le personnage et comme ça. D'accord. Et nous passons directement au prochain look du jour. Troisième look du jour, une belle en ensemble costume, gris à rayures, col roulé, très simple, chic, j'adore son style. Au moins lui, il sauve l'honneur de ce tapis rouge là par rapport à nos looks du jour. J'adore. Ouais, moi de même j'adore. C'est un style assez classe, il est très élégant. Et le détail que j'aimerais soulever avant de m'étaler, c'est qu'il a fait... il a évité de faire une erreur que pas mal de gens ont l'habitude de faire, c'est-à-dire de porter ce genre de chaussures et qu'on sort avec un pantalon classique. Or lui, il s'est démarqué, il n'a pas fait l'erreur de porter un pantalon trois quarts, qui est bien assorti avec ce genre de chaussures que voilà même, qui est juste à côté de nous. Là. Okay. Ouais. Donc franchement, il a bien assorti son look, il a joué la carte du deux temps, le col roulé, la chaussure qui est assortie avec le petit mouchoir, avec un petit collier, il est tout frais. Très élégant. Wow, chapeau à lui. Ouais, il a arboré un look classique de gentleman autant pour moi. Le col roulé avec le costard. Après, il a bien fait de préciser ça. Après, les chaussures aussi, ça ne se voit pas avec des chaussettes. Il a bien fait de le faire. Beaucoup de personnes commettent cette erreur. Voilà. Après, bon, je ne vais pas m'étaler sur le look, mais je crois que c'est. C'est chic, c'est classe. Voilà. Il a joué la carte de la sobriété. J'aime bien. Et tu lui donnerais une note de combien ? Un 7. Et toi ? Un 7,5. Un 7,5. Moi, je vais lui donner un 8 parce que vraiment là, il sauve l'honneur par rapport à tout ce qu'on a déjà vu. J'espère que tu n'es pas amoureux là. J'espère que tu n'es pas du coup tombé sous le charme et qu'on sort. Ah, tu voudrais que je dise ce qu'elle a dit hors caméra ? Vas-y. Non, c'est pas possible. Nous passons au prochain. Look du jour. Quatrième look du jour, Regina Hall en très belle robe, assez simple, chic, classe. Et je vous promets, il y a un qui va tomber amoureux parce que d'habitude, il adore les décolletés plongeons et les fentes. C'est le temps. C'est moi qui pensais à Brian. Son look, ce qui me vient à l'esprit, c'est, tu vois, genre, je suis sorti de la maternité, une semaine après, il y a une amie qui m'a invité. C'est ce que vous voulez faire de par son look. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Okay. Oui. Après, non, je ne vais pas rebondir, je ne vais pas te faire ce plaisir là. Je ne vais pas t'accorder ce plaisir. Ok. Après, la coiffure, je trouve que c'est à l'image de son look, un peu trop simpliste. Je crois qu'elle aurait pu faire mieux. Oui, mais quand même. Donc, elle nous laisse sur l'autre. En tout cas, sur ma femme. Ses chaussures. Ses chaussures, bon. Ça va avec la tenue. Oui, ça va avec la tenue, mais après, bon. Assez présente. La tenue n'est pas originale pour moi. Bon. Après, les motifs sur la robe. Un peu bien, mais bon. C'est bien d'être ça. Ouais. Par contre. Moi, je trouve la tenue assez originale parce que déjà la structuration et surtout le détail qui tue sur la robe, c'est le dos. Le dos, oui. Le col et le dos, waouh. Bien vu de la part du styliste, je sais pas, ou bien du créateur de la tenue. Là, tu penses que c'est tout original ? Ouais. Viens de me dire que c'est mon idée, donc c'est son idée. D'accord. Ouais. Et ça lui va à merveille. L'assortissement aussi avec les bijoux et qu'on sort. Mais bon, par contre, la coiffure, c'est trop simple à mon goût. Si on essaie de zoomer sur la photo, si on voit bien l'arrière-plan, genre le coupe afro qui est sur l'arrière-plan, on a comme l'impression que c'était sa coiffure et tout. Donc si elle avait opté pour genre cette coiffure afro et tout, là, ça allait un peu relever le goût de son look et qu'on sort, histoire de compliquer un peu le style, quoi. Mais bon, l'ensemble lui va à merveille, elle est assez belle, élégante. Exactement, assez belle, élégante, très très simple. Moi, je lui donnerai une note de 7. Et toi ? Je vais rebondir sur le thème de Brian. Il aurait dû compliquer plus le look. Tu lui donnerais une note de combien ? Un 5, ça va. Merci. Je vais être gentil. Et toi ? Un 8.
Charavit. Ouais. Il l'a adoré, il était bien. Non. Quand tu m'adresses. Rien. Oui, Charavit, c'est laissé que t'as peur. Nous passons au prochain look du jour. Cinquième et dernier look du jour, Kelly Rowland en mode cowboy, sans le cheval, sans les boîtes, avec des gants. Elle a mis des gants et un chapeau. Non, sincèrement, sans les gants, sans le chapeau, avec des chaussures, mais plus assorties. Et... En plus, j'aime pas le fond de ce. Genre la finition du pantalon. Ouais. Vraiment, sans ça, je pense qu'elle est tout simplement chic, simple et voilà. Ouais, c'est pas faux. En fait, je dirais que le gant, c'est un détail de trop. Ça fait too much. Ouais. Et elle aurait dû s'en passer. Et surtout, la finition encore de son pantalon. Wow, que dur de ça. Moi, dès que je la vois, ça me fait l'impression. L'idée qui me vient à l'esprit, c'est genre une veuve, quoi. Au funérailles de son mari. Ouais, sérieux. Ouais, je t'assure. Tout en noir, quoi. Tout en noir. Exactement, dans les novellas. Dans les Mexicains. Voilà. Exactement. Les chevaux, tout pour. Il y a un cheval qui manque là. Hein. Voilà, donc c'est ce qui me vient à l'esprit. Elle aurait dû s'en passer, j'ai pas du tout aimé l'assortissement de sa tenue. Mais bon, côté mise en beauté, ça va. Oui. C'est très bien réussi, son maquillage et son sort et tout. Parce que t'arrives à voir ça avec le chapeau qu'elle a. Ouais, il suffit de bien zoomer. En plus, c'est énorme. C'est... Allons zoomer. Bon, le look dans son ensemble, je trouve que c'est raté. Je comprends l'idée de base. Après, le chapeau de cowboy, c'est peut-être un clin d'œil à son... Parce que si je me rappelle bien... Elle a grandi au Texas avec sa cousine Beyoncé. Après les escarpins avec ce look, je crois que j'ai compris l'idée. Elle voulait inscrire les boots parce que ça fait trop classique. Tout le monde aime porter ça avec le cowboy. Ça donnerait un look un peu trop cowboy. Mm-hmm. Voilà. Mais les gants, elle aurait pu s'en passer aussi. Mm-hmm. L'ajustement du pantalon, de son tailleur, je crois que. C'est un look décidé à la dernière minute, je crois bien. Au vu de la structure. Également, et surtout, j'ai remarqué un truc. Dans ces derniers temps, l'ensemble tailleur est beaucoup plus arboré dans les fashion week et qu'on sort, même sur la carpet. Et même dans cette top 5 là, on a déjà eu à décortiquer. Et pour ce look dédicace à Fantastique. Oh, ouais. Une blogueuse de mode qui adore les tailleurs. Ouais, c'est pas faux. Big up à elle. Là, c'est un raté total, 4. Ok, et toi? Un 3. Ouais. Moi, j'ai pas de note pour ça. Qu'elle repart pleurer son mari. Vraiment, j'ai pas de note pour toi, Kimi. Sauf que là, t'as tout raté, exactement tout raté, vraiment. Il faut juste que tu vas Elle va faire un tour au Mexique. Au Mexique, oui. Et peut-être qu'elle l'accompagnera. Bon, pour sauver la maison, on pourrait dire, bon, le faciès qui est, en tout cas. Tu l'accompagneras au Mexique. Donc, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au top et flop. Nous sommes au top et flop et mon top du jour, c'est Tony Ball. Il était tout simplement chic, très simple. J'adore son style carré en même temps, très sobre et vraiment très, très chic. J'adorais son style. Donc, c'est mon top du jour. Non, il faut dire que tu es tombé amoureux de lui. Il s'y met lui ça aussi. Ça se voit qu'il est jaloux. Il s'y met lui aussi. Tout à l'heure c'était toi et maintenant. Toi, vous aujourd'hui là, vraiment. Ça va risquer de tourner en. Donc, oui. En caméra, il y aura de l'histoire. Ouais, exactement. Et donc, mon flop, c'est tout simplement. Kelly Rowland, s'il te plaît, ma belle, revois le tout. Et je vais te trouver un cheval. Je ne sais pas si y en a à la carte, mais je serai de trouver un cheval pour toi. Alors, ça reste mon flop. Et pour toi. Moi de même, mon flop c'est Kelly Rowland. J'ai pas du tout aimé son style cowboy. Mm-hmm. Et mon top c'est Regina Hall. Et elle qui est amoureuse. Non, même ah pas. Oui, c'est ça. Plutôt amoureux de la robe. Non, d'elle-même. Non. Parce qu'il n'y a pas que la robe. Attends, à la longue, faudrait que je précise aux téléspectateurs. T'as un béguin pour lui à la longue là. Et toi? Bon, mon top c'est. Tony Bell, oui, avec son look de chic gentleman. Après mon flop, sans équivoque, c'est Kelly Rowland. Donc c'était tout pour les top et flop. Et c'est la fin de l'émission, chers amis téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement. Et nous vous rappelons que nous sommes à Éclairage Shop. Ils ont été très sympas de nous accueillir exactement. Aujourd'hui. Et si vous voulez rester toujours dans le monde de la mode ou faire un petit peu de shopping, passez par là, c'est à Dakar, sur la VDN, cité CPI,
Et j'espère que tu vas prendre quelque chose en partant. Bien sûr. Moi, je vais prendre la chaussure, hein, surtout. Ok. Je suis tombé sur le charme. Ouais. Je... Cher ami téléspectateur, j'ai quand même la malchance d'avoir ces deux-là, mais je les adore comme ça. Restez comme vous êtes et à la prochaine. Inch'Allah. Au revoir.